présent de la société Ma Santé, qui est dédié à l'informatisation des hôpitaux et qui permet de travailler pour un professionnel de santé, un médecin ou une infirmière, vraiment sur le tout numérique. Prescrire électroniquement, dispenser les médicaments, informer le patient, éduquer le patient de manière complètement numérique. Le Vietnam, pour nous, et ce forum, représente une opportunité de rencontrer assez rapidement des partenaires, des représentants des autorités locales, des hôpitaux, et de pouvoir avoir une bonne cartographie d'opportunités, de savoir si on va investir à court terme, moyen terme, long terme, et quelles sont les prochaines actions à mener si on va aller plus loin. L'autre intérêt pour nous de ce forum, c'est vraiment aussi de entretenir une bonne collaboration avec d'autres entreprises françaises qui voyagent à l'export et d'avoir un retour générique sur l'export et avec l'exemple vietnamien. Pour l'instant, ça peut changer. On a privilégié de s'installer d'abord à Singapour pour rayonner en Asie au travers de Singapour, aussi pour des raisons, je dirais, purement aéroportuaires. C'est une escale obligatoire pour aller plus loin. Mais intellectuellement, apparemment, c'est une belle base qui est reconnue en tant que telle. Mais ça peut changer. Pour l'instant, le Vietnam est un pays à part entière dans mon esprit, en termes d'investissement et de business, mais qui s'inscrit dans une lignée de l'Asie de l'Asie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une relation amicale historique qui pour moi résonne familièrement. Venir au Vietnam, on va être bienvenu. Le marché est grand. Il y a une émergence, donc ça veut dire qu'ils ont envie de se moderniser, de s'équiper. Ils vont avoir différents besoins, dont les nôtres, a besoin de notre solution. Et on est très confiant, enfin moi je suis très confiant que ce marché-là correspond vraiment à ce que je comprends. Ce qu'on fabrique en France. Donc je pense que l'atout de fabriquer en France et de dire voilà ce qu'on fabrique en France, on vend au Vietnam, ici ça résonne positivement. Donc vous n'avez pas de concurrent encore ici sur ce marché a priori ? Nulle part au monde, on a encore cette chance. D'accord. On a une entreprise assez unique, c'est-à-dire qu'on a réussi à joindre le logiciel métier de l'hôpital, le logiciel multimédia envers le patient et le hardware. De manière très spécifique pour rejoindre tous ces services autour du patient et du soin sur une solution dans une seule société et de pouvoir vraiment être l'interlocuteur unique pour l'hôpital pour aller vers le sans-papier de A à Z. Et là-dessus, on est encore, je vois, c'est unique.